Si tu pensais que renoncer aux produits laitiers voulait également dire renoncer au beurre, je te rassure, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, quel beurre privilégier et aussi comment faire ton propre beurre sans lactose. En France on aime beaucoup notre beurre, c'est peut-être davantage encore ton cas si tu es breton par exemple, mais on aime ça, ça fait partie de notre quotidien, et c'est vrai qu'il n'a pas une très bonne publicité, et notamment les personnes qui essayent d'éviter le lait ont tendance à supprimer totalement le beurre. Notamment en cas d'intolérance au lactose, par exemple, on a tendance à vouloir supprimer le beurre. Bah, Rassure-toi, t'es pas obligé de le faire, même si tu es intolérant au lactose. Alors si tu es allergique au lait, là c'est différent. Je te déconseille de suivre la recette que je vais te donner juste après. Après, là, c'est un problème à part, mais euh, si tu es simplement intolérant au lactose ou que tu essayes d'éviter les produits laitiers pour euh, ton euh, bien-être, pour ta santé, eh rassure-toi, le beurre peut faire partie de ton quotidien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, il faut savoir que le beurre, pour avoir l'appellation beurre, il doit contenir minimum 80% de matière grasse, maximum 16% d'eau et grand maximum 2% de matière solide non grasse. Et ce sont seulement ces 2%-là qui représentent la portion de lait dans le beurre. En fait, ça va être ce qui va contenir du lactose, de la casine et de la whey. Putain, j'ai l'impression de te ressortir des cordes de mon CAP pâtisserie. Et donc, ces 2%-là, encore en plus, on parle d'un maximum. C'est une... Vraiment une minorité dans le beurre et donc sauf si vraiment tu as l'impression de ressentir des symptômes après la consommation de beurre et uniquement de beurre et pas d'autres laitages, là effectivement ça peut être intéressant de faire un peu plus attention. Mais en vrai ça va. A priori tu n'auras pas de problème en consommant du beurre du moment que c'est un bon beurre et je vais t'expliquer ce qu'est un bon beurre. Déjà pour les appellations tu as le beurre fin, le beurre extra fin et le beurre cru. Le beurre fin, c'est un beurre qui est en partie fait à base de laitage congelé. Tu veux éviter, c'est assez industriel. Le beurre extra fin, qui a une qualité supérieure, c'est le beurre que tu vas retrouver de manière beaucoup plus commune et qui a été pasteurisé. Et le beurre cru, c'est le beurre qui a été non pasteurisé, qui a un vrai avantage de ne pas avoir subi de process industriel, mais qui a l'inconvénient de pouvoir se conserver qu'environ 7 jours au frigo. Mes recommandations, si tu peux favoriser le beurre cru. Fais-le, sinon euh, prends simplement un beurre extra fin, ça sera très bien. Privilégie-le bio et surtout d'été. Alors qu'est-ce que c'est un beurre d'été T'as peut-être remarqué, mais entre l'été et l'hiver, ton beurre, quand tu l'achètes, il n'a pas la même couleur. Euh, un beurre d'été, il va être plus jaune. Là où un beurre d'hiver, il va être un peu plus dans les tons blancs. Un peu plus... Euh, il y aura un peu moins de couleur. C'est tout simplement dû au fait que l'été, les vaches sont dehors, elles broutent de l'herbe dehors. Et du coup, il va être plus chargé en termes de nutriments, et ça sera de manière générale plus intéressant sera des meilleures graisses pour toi si tu prends du beurre d'été. Alors bien entendu, l'hiver, tu peux pas forcément prendre de beurre d'été, mais c'est simplement pour te dire qu'il y a une différence entre les deux et que l'avantage de la recette que je te donne tout à l'heure, c'est que tu peux conserver ça très longtemps, donc tant qu'à faire, quand tu vois la fin de l'été arriver, ça peut être l'occasion de faire un petit peu de stock. Si tu veux donc t'abstenir totalement de lactose et supprimer le lactose de ton alimentation, tu peux t'orienter vers ce qu'on appelle du beurre clarifié. Le beurre clarifié c'est un beurre dont on va retirer ces 2% de lait. Euh, il y a également une appellation qui s'appelle le ghee en Inde. Euh, le ghee c'est encore un petit peu différent, il y a une petite variante dans la recette mais euh, je t'en parlerai juste après quand je vais te faire la démonstration. Euh, et la, le vrai avantage du beurre clarifié c'est pas seulement de ne pas avoir de lactose, c'est aussi que son point de fumée il va être plus haut. Le point de fumée c'est la température à partir de laquelle ton beurre, euh, ta graisse en fait va se mettre à brûler. Et le beurre brûle à 120 degrés. Et c'est relativement peu. Donc, si tu veux faire des cuissons haute température, le beurre n'est pas du tout approprié. En revanche, le beurre clarifié, quand tu as retiré le lait et quand tu as clarifié ton beurre, la structure de graisse, la structure des lipides de ton beurre change et ton point de fumée monte à plus de 250 degrés. Donc, là, tu pourras largement plus l'utiliser pour des cuissons haute température. Sur ce, je vais te montrer une méthode pour faire toi-même ton beurre clarifié chez toi ou ton guide et je vais t'expliquer aussi la différence entre les deux. Donc pour faire ton beurre clarifié, tu mets ta casserole à feu doux. C'est important et tu utilises du beurre doux plutôt que du beurre salé. Le problème avec le beurre salé, c'est que tu vas avoir le sel risque de se déposer au fond de ta casserole et de brûler et tu veux vraiment éviter ça, surtout que rien ne t'empêche de saler ton beurre après coup. Ensuite, tu le coupes en morceaux, ça va permettre à la cuisson d'aller un petit peu plus vite que si tu le mets d'un seul bloc. Mais tu peux le faire. Tu veux vraiment éviter de mettre le feu trop fort, surtout si c'est la première fois que tu t'en fais, tout simplement parce que il euh, n'y a pas de retour en arrière. Si jamais tu brûles ton beurre, ça sera totalement foutu. Tu pourras tout mettre à la poubelle. Ton beurre va donc fondre et tu vas voir cette mousse blanche qui va remonter à la surface. Et bien ce sont les 2% de lait dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt. Tout ce que tu as à faire, c'est de retirer grossièrement ce qu'il y a au-dessus avec une cuillère. Ça reste grossièrement, hein. t'es pas obligé de tout retirer, ça te prendrait beaucoup trop de temps. Le reste disparaîtra après le filtrage de toute façon. Et voilà, si ton objectif était de faire du beurre clarifié, c'est prêt. Et tu peux passer directement à l'étape de filtrage. Si tu voulais faire du ghee... Là, en revanche, tu peux continuer la cuisson. Parce que la différence, c'est que le gui, euh, avec le gui, tu vas vouloir obtenir une sorte de caramélisation des dépôts de lait qui sont au fond. En fait, ça va te donner ce côté un petit peu brunâtre, qui va donner un goût noisette au beurre. C'est ce même procédé qui fait le goût des madeleines, par exemple comme tu peux le voir, on parle bien d'une couleur brunâtre. Tu veux vraiment faire attention à cette étape parce que si tu le fais cuire trop longtemps, tu vas euh, ça va noircir et là, ça va brûler. Là aussi tu risques de devoir tout balancer à la poubelle. Donc, surveille bien ton beurre à ce moment-là. Tu vas voir normalement une petite odeur, cette petite odeur caractéristique de noisette qui va ressortir de beurre noisette et quand c'est le cas, tu peux passer au filtrage. Pour ça, tu prends un bocal, tu mets une serviette en papier, tu verses ton beurre dessus et le filtrage va se faire naturellement. Tu vas voir au fond de ta casserole, tu vois, tu vois bien cette petite caramélisation, euh, t'en fais pas, c'est pas cramé, laisse simplement reposer de l'eau savonneuse dans ta casserole pendant quelques minutes, et ça partira en deux coups d'éponge. Tu peux ensuite laisser le beurre revenir à température ambiante, ne couvre surtout pas, ne ferme pas le bocal tout de suite, ça créerait de la condensation, tu veux éviter ça, et quand tu seras à température ambiante, là tu pourras le fermer et le mettre au frigo. Pour que tu vois à quoi ça ressemble, ça c'est un autre pot que j'avais déjà fait avant. T'es censé retrouver cette petite texture là. Tu verras que l'odeur est encore plus forte et plus agréable qu'un beurre normal, surtout si tu as fait du gui. Et il y a d'ailleurs de fortes chances que tu n'aies plus jamais envie de revenir à du beurre traditionnel. Je t'ai fait une fiche mémo des étapes de la recette et des différentes alternatives euh, que tu peux télécharger via un lien. En description. J'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.